Tu es élevé en gloire et en majesté. Il n'y a point de Dieu égal à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Louange à toi, Esprit Saint. Toi qui ramènes cette parole dans nos cœurs. Toi qui nous convainc du jugement, péché et justice. Toi qui nous parle. Toi qui nous libère. Loin de nous tout ce qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On va lire les versets, s'il vous plaît. Restez ma debout. Tout à somme chère, je vous détourne chez maman oui maman. On nous relit encore le verset de mardi. Dès qu'on est au sommet à Téna en chère. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 28. Ça vous qui a occuré tout à quansa sous la qui a quansa. Après, on va lire les livres de Jean, chapitre 17. On relit d'abord le verset de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28. Jean 17, chapitre 8, versets 8 à 9. Ici, on va commencer à lire lentement, lentement. Disons 8 et 9. On va terminer de 22 à 23. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Hier, on a parlé. Chana tulisema. Et on continue toujours de parler sur ça, sur les bénéfices de la réconciliation. On a parlé, la réconciliation, c'est le retour à Dieu. On a parlé aussi, pourquoi Dieu a choisi les choses viles du monde. Ce que le monde voit, c'est vil. Ce que le monde voit, que c'est inutile. Les choses que Dieu voit utiles. Pour qu'il puisse accomplir sa volonté. On a parlé de la volonté de Dieu comme le bénéfice de la réconciliation. On a parlé. Comme pourquoi Dieu a voulu que nous soyons sur la terre. On a parlé des deux dimensions de la volonté de Dieu par rapport à la prière de Christ. Quand il a montré ses disciples comment prier. On a parlé de la volonté qui règne dans le ciel. Au ciel, tout est soumis à Dieu. Et deuxième volonté, c'est ce qui s'est fait sur la terre. On a remarqué que ce qui s'est fait sur la terre, il y a beaucoup d'opposition à la volonté de Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous a envoyé, choisi, il a voulu réconcilier le monde avec lui, toi et moi avec lui, afin que nous imposions cette volonté-là.
Ce qui fait, ce qui se fait au ciel, ce qui se fait sur la terre, mais sans opposition. Parce que le diable est descendu sur la terre a une mission de détruire les humains de la volonté de Dieu. Dieu a choisi l'église, toi et moi, pour que nous ramenons le monde dans la volonté de Dieu. Parce que ce qui ne se faisait pas, il a puisse commencer à se faire. Bien qu'on ait mis les ingrédients, c'est ce qu'on a parlé hier. Mais aujourd'hui, on va parler encore sur notre dimension de bénéfice de la réconciliation. Il y en a plusieurs. J'ai choisi quelques. On va parler durant ces trois jours que je vais prester. Pour que nous puissions avoir l'idée. Pourquoi Dieu nous a réconciliés? Parce que nous ne sommes pas les adversaires de Dieu. Nous ne sommes pas les ennemis de Dieu. Notre Dieu a un seul ennemi, un seul adversaire. C'est le diable. Ce n'est pas toi et moi. La raison pour laquelle Dieu a fait par tous les moyens de ramener l'homme à lui. De ramener l'homme vers lui. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu ne peut pas laisser son image périr comme ça. Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de ramener les humains, ces créatures vers lui. Pour faire honte à son adversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses comprendre ça. C'est pour laquelle Christ est monté à la croix. Il est mort même pour ça. Pour que nous comprenions cela. On a dit, Dieu a choisi les choses vides. Dieu a choisi les choses inutiles du monde. Pour faire ça de vases d'honneur. Dans Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Quand Christ a terminé sa mission, il rend maintenant compte à Dieu par rapport à la mission que Dieu lui avait confiée. Il dit à Dieu, regarde, tu m'as donné. Regarde, tu as fait. J'ai fait mon travail. Tous les humains que tu m'as donné. Je n'ai pas perdu. Sauf un. Le fils de la perdition. Il a dit, ce que tu m'as donné. J'aime ce verset. Il a dit, la parole que tu m'as donné. Je les ai données. Les paroles que tu m'avais données. Je les ai données. C'est Christ qui est en train de parler. Ça, ce n'est pas l'interprète. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a écrit. C'est Jean qui est en train d'écrire. Parce que Jean était l'un des disciples qui est resté avec Jésus. C'est pour ça qu'il parle de Jésus comme Dieu. Dans les livres de Jean, Jean élève Jésus comme Dieu. Parce que quand on dit fils de Dieu, dans le langage juif, ça veut dire tu fais égal à cet homme-là à Dieu. Jean parle de Christ, il voyait Christ Dieu. Maintenant Christ la part. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce qu'on peut mettre pour nous cette parole-là? Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Quelles paroles Christ nous a données? Est-ce que j'ai posé la question, quelles paroles Christ m'a données? Il a répété ça deux fois. Au chapitre 22, il a dit, je leur ai donné la parole que tu m'as données. Jean 17, 8, Jésus a donné les paroles, c'est en pluriel. Les paroles que tu m'avais données. Quelles paroles que Dieu t'a données. Quels sont ces bénéfices-là de la réconciliation que Dieu t'a donné. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
et la parole s'est faite chair. J'aimerais comprendre quelle est la parole que Jésus nous a donnée. La parole qui était au commencement, au Jean 1er 3, il a dit toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais elle a des pronoms personnels. C'est la parole de Dieu. Mais Christ a dit, cette parole-là qui a créé le monde, c'est cette parole-là qu'il t'a donnée. Je lui ai donné la parole que tu as. Cette parole-là, il m'a donné. Il est à l'inipatia. C'est ce que je mérite de parler ce soir. Il est à peine de se mettre à manger. Je les ai donné la parole. Il a encore dit, anasema, la gloire que tu m'as donnée. Tu kufulo l'inipatia. Je suis donné cette gloire. Tu es l'inipatia. La gloire. Ou tu kufulo. La Bible dit, Bibli anasema, je ne donne jamais sa gloire. Mungu achuweze kukabula tu kufuake. À une personne. Kwa muntu. Je m'a. Na na landa. Minalanda. Mais comment Christ a dit? Nam nakani Christ ali sema. Je lui ai donné la gloire. Nili wapatia utukufu. Afin qu'il soit un. Jua uwe mumocha. Moi en eux. Mi yendani yabo. Et toi en moi. Na we yendani yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ni luapatia maneno ambayo ulinipatia. Ils l'ont reçu. Wakipokea. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Wanatambua kusema ya kweli nilitoka kwako. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Banaminia ya kusema ni wewe ndio ulinituma. Moi en eux. Mie ndani yao. Et en moi. Na bondani yao. Afin que nous tous nous soyons. Surtout pas de kuwa mumocha. Est-ce que tu comprends bien? Et tu ne leo musuri. C'est-à-dire toi. Ni kusema wewe. Jésus. Yesu, Saint-Esprit, Rome Takatifu, Dieu, Mungu, nous sommes un. Shibote tuku mumocha. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Munaelewa. Jésus a dit, comme mon Yesu Père agit, vile baba yango kona moi aussi je fais quoi? Mina mimi nafanya nini? Non, il faut parler. Mujibu. Comme mon Père agit, vile baba moi aussi je fais quoi? Na mimi nafanya nini? Il faut parler, je n'attends rien. Comme mon Père agit, moi aussi je fais quoi? Na mimi nafanya nini? Comme Jésus agit, vile Yesu kona tenda, na wona fanya nini? Alléluia. Amen. Je vais monter, mais je vais aller lentement pour que tu puisses comprendre. D'abord. Je lui ai donné la parole que tu m'as donnée. Jésus est monté au ciel. Sans parole, sans pouvoir. Il est monté seulement comme Dieu. Il a tout laissé sur toi. Tout laissé sur toi. Alléluia. Amen. Il a tout laissé chez toi. C'est ce que les diables ne veulent pas que tu puisses comprendre. Les bénéfices de la réconciliation. Quels sont ces bénéfices? Christ m'a donné sa parole. Cette parole vit en moi. Cette parole vit en moi. Il est né de naïch ndani yango. Christ n'agit plus. Christ toi chitende de tena. Il a laissé d'agir. Anacha kutenda après la résurrection. Kisha ufufuko avant la résurrection. Mbele ya ufufuko. C'est Christ qui opère. Il ikoni Christ anaanza kutenda après la résurrection. Kisha kufa kwa Christ n'agit. Na kufufuka kisha chitende de tena. Il a donné maintenant le bâton de commande que toi tu commences à agir. Anacha yote kwako tu commences kutenda. Tu alisema mzuri. La parole que tu m'as donnée. Neno mbona nipatia. C'est donné. Niliwapatia. La gloire que tu m'as donnée, je les ai données. Alléluia. Amen. Si vous lisez Exode, chapitre 7, le verset 1, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Les dieux que nous écrit là, ce n'est pas un dieu minuscule. Maintenant, on a écrit Dieu en démajuscule. Dieu a pris la parole de la divinité. Il a fait entrer ça dans la vie de Moïse. À partir d'aujourd'hui, Moïse, tu es devenu Dieu pour Pharaon. C'est ce que Christ t'a fait. Il t'a fait Dieu pour les diables. Et les diables ne peuvent jamais combattre ta vie. Jésus t'a fait Dieu. Il a pris la gloire. Il t'a donné. Il a pris les paroles créatrices.
il t'a donné. Lui il est parti. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a compris. Sur le chemin de Damas, quand Dieu l'a visité, Dieu Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a dit, mais je ne te persécute pas. Ce n'est pas toi que je t'attaque. Jésus a dit non. Si tu attaques, papa fidèle, tu m'as aussi attaqué. Si tu attaques prophète, tu m'as aussi attaqué. Parce que les Jean chapitre 17, verset 23 nous dit quoi? Moi en eux, et eux en moi. Donc si on te touche, on touche Dieu. Si on te chiffre, on chiffre Dieu. Si on te menace, on menace Dieu. Oh, Dieu ne laissera jamais faire. Oh, Dieu ne laissera jamais qu'on t'attaque. Il sera avec toi. Il ne laissera jamais les gens puissent te toucher. Bah, il va montrer au monde réellement c'est lui qui t'a envoyé. Quand Dieu a dit à Moïse, je t'envoie, il a fait montrer aux enfants d'Israël que Moïse était Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit moi en eux. Je les ai donné la parole. Je leur ai donné la gloire. Et Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ce soir, Dieu te fait Dieu pour tes ennemis. Et ta bouche même sera ton prophète. Alléluia. Amen. C'est ça le bénéfice de la réconciliation. Jésus a réconcilié le monde pour ramener chaque chose à sa place. Vous savez, Adam, il était resté que dans l'historique. Parce que Caïn et Abel n'ont pas connu la terre promise, pardon, n'ont pas connu Eden. Adam était en train seulement de dire à Caïn et Abel, disait avant votre naissance, nous on vivait bien, on était en Eden, on vivait avec les chiens, on vivait avec les lions, mais Abel et Caïn n'ont pas vu ce que leurs pères ont vécu. N'ont pas vu ce que leurs pères ont vécu. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il n'est pas venu pour que nous nous restions dans l'histoire. Mais il est venu pour ramener l'histoire qui devient réelle. Il est venu pour ramener l'historique. L'histoire. Que l'histoire devient réelle dans ta vie. Que si on veut parler de miracles, que tu vois les miracles. Si on veut parler de la grâce, que tu vois la grâce. De la résurrection, que tu vois la résurrection. On parle de la délivrance, que tu vois la délivrance. Mais cette délivrance là est en toi. Ce qui était en Jésus est aussi dans ta vie. Ce que Jésus Christ a fait, moi aussi tu peux le faire. Un Jean nous dit ceci, tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que nous sommes, les paroles qu'il nous a données, ne laissons pas seulement ça dans nos bouches. Il y a dans des familles où le diable entre, il sort, il fait des mouvements comme il veut, il prend ce qu'il veut, il détruit ce qu'il veut. Et la nuit même, tu es en train de rêver les femmes et les maris de nuit, mais tu n'as pas de bouche. Pour arrêter cela, mais à cause de réconciliation, Jésus a remis la parole dans ta bouche afin que tu arrêtes tout ce qui complique ta vie. Même si c'est un miracle dans ta vie, le miracle de la réconciliation nous a donné le pouvoir d'arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie et dans notre destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le miracle. Le miracle de la réconciliation.
les miracles, les réconciliations. C'est la raison pour laquelle Dieu a mis la parole dans notre bouche. La parole que Dieu a mis dans ta bouche, là, ce n'est pas pour avoir peur, c'est pour changer les choses. Nous sommes 8. Trois nous dit ceci. Trois, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire. Regarde bien ta bouche. C'est le prophète de ta vie. C'est le prophète de ta destinée. Et la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et ce pouvoir là, Jésus l'a mis dans ta bouche. Tous les prophètes que moi je connais, en commençant par Esaïe, par passer par Jérémie, Dieu a touché leur bouche. Il a dit maintenant parler. Dieu a mis la parole dans leur bouche. Afin que s'il ne parle pas, le diable va les dominer. Mais s'il parle, il va créer les choses qui n'existent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses qui n'existent pas, il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu regardes bien, en toi, il n'y a pas que toi. En toi, il y a Dieu. En toi, il y a Jésus. En toi, il y a le Saint-Esprit. En toi, il y a Papa Apollinaire. Vous faites partie de son alliance. Quand le diable vous voit, il a peur de vous. Parce qu'il voit en vous, il y a plusieurs personnes. Les échecs que Jésus a vécu, les échecs que Jésus a vaincu, toi, tu vas les vaincre. La victoire que Jésus a eue sur la croix, les démons que Jésus a vaincu, quand ces démons là te voient, ils vont fuir parce qu'ils ne te voient pas, mais ils voient à travers toi l'homme qui les a vaincus. Quand nous marchons, le diable en réalité ne nous voit pas, il voit l'homme qui est en nous, Jésus. S'ils sont soumis à nous, c'est à cause de ce que Jésus Christ a fait à la croix. C'est pour cette raison-là, le monde est soumis à nous. Le diable est soumis à nous. Le démon est soumis à nous. C'est ce qui cause le malheur aux chrétiens. Parce qu'ils n'aiment pas. Tu vas peindre dans le temps des problèmes. Dans les temps de difficultés, dans les temps de problèmes, dans les temps de souffrances, confessez ce que Dieu a mis dans leur bouche. Si tu ne confesses pas, tu ne verras rien. Le miracle ne se fera jamais dans ta vie. Si tu ne libères pas ce que Dieu a mis dans ta bouche, si tu ne libères ce que Dieu a mis dans ta bouche, tu vas commencer à voir réellement le miracle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce miracle-là, c'est ce que Jésus a dit. À cause de la réconciliation, je les ai donnés la parole que tu m'as dit. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, connaissez son histoire. Il est parti faire des bêtises avec la richesse de son père. Quand il a compris, il a confessé. Dans la maison de mon père, il y a tout. Je dois rentrer. Quand il est rentré, son père l'a vu. Il a fait une fête. L'aîné a dit quoi? Moi, je suis avec toi tous les jours. Aucun jour, tu as pris un chevreau et le faire crier pour moi. Et le père l'a répondu quoi? Mais ce n'est pas mon problème, mais c'est toi-même. N'est-ce pas que tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi est aussi à toi? Pour le prendre, il faut que je te dise. Alléluia. Amen. Est-ce que pour se marier, il faut que Dieu te dise? Pour voyager, il faut que Dieu te dise. Pour avoir les enfants, il faut que Dieu te dise. Je te pose la question. Est-ce que pour faire des commerces, il faut que Dieu te dise? Il faut que Dieu te dise. Parce que toi-même, tu n'as pas encore compris que Dieu est divin. Tellement tu vis dans la chair, c'est difficile que tes paroles soient efficaces. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait compris.
pour faire exploser la dimension divine, la dimension divine qui est en moi. Je dois anéantir la chair. Parce que dans la chair, il n'y a aucune arme qui nous protège. Il a même dit lui-même, les armes que nous possédons n'ont jamais été charnelles. Il a encore dit, je traite durement mon corps. Je n'impose la discipline. Pourquoi il fait ça? Parce que plus l'humain diminue dans l'homme, plus la divinité monte à l'homme. Plus la divinité monte à l'homme, l'homme devient divin. Et quand l'homme devient divin, l'impossible devient possible. Ce qui était rare va commencer à se faire. Ce qui était loin va venir d'elle-même. Ils vont respecter la parole divine qui est en toi. C'est ce que vous avez compris. En Jésus, habiter corporellement toute la plénitude de Dieu. Et c'est Jésus-là qui vit en moi. Quand il vit en moi, il a toute la plénitude de Dieu. Vit aussi en moi. Pour donner l'espace à cette divinité d'agir. Je dois anéantir la chair à moi. Et laisser l'espace à l'esprit de sortir à moi. Et là, quand il va commencer à déclarer des choses, les choses viendront d'elles-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Moi j'ai dit non, ce n'est pas à Dieu. Dieu n'est pas là. Jésus aussi n'est pas là. Mais il est quelque part. La Bible dit ceci, si tu crois en moi et mon Père, nous viendrons en toi et nous ferons notre éternel en toi. Et ce n'est pas rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible à toi. Parce que toi, tu continues le mandat de Christ. Christ a laissé le mandat et toi tu continues le mandat. La parole que Dieu l'a donnée, il t'a donné cette parole. Le jour où Christ a reçu cette parole, il a dit clairement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, annoncer une année de grâce. Ce miracle-là, cette parole-là que Christ a déclaré le jour-là dans les synagogues, après avoir déclaré, il a dit, à partir d'aujourd'hui, cette parole est entrée en vigueur. Le jour où tu as aussi tu as reçu Christ dans ta vie, cette parole-là, Jésus-Christ l'a fait, c'est ta parole. C'est pour cela Pierre, Paul ont compris cela. Partout où il allait, il était en train de bouleverser. Il était en train de faire des histoires. Et nous, à notre époque, comme on ne croit pas la parole de Dieu, comme on ne met pas la parole de Dieu comme notre pierre centrale, c'est pour ça que quand le problème vient, toi tu plaires. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de se mettre debout. Parce que Jésus-Christ t'a déjà réconcilié avec lui. Quand il t'a réconcilié avec lui, il t'a remis dans tes droits. Et quand il t'a remis dans tes droits, et le bénéfice de ces droits-là, la parole que Dieu a mis dans ta bouche, et le jour-là, devant la mer Rouge, ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse de parler, mais Moïse avait compris. Ah oui, il y avait la parole. Il a dit, les succès que vous voyez, vous ne les verrez jamais. J'aimerais dire à toi aussi, et que ce soir tu dis, tout ce qui combat ta vie, tout ce qui menace ta destinée, tu menaces ton mariage, ta famille, tu as reçu le mandat qu'elle a arrêté. Parce que le problème n'entrera pas la terre promise. Tu n'entreras jamais la terre promise avec le problème. Tu ne traverseras jamais la mer Rouge avec le problème. Tout doit s'arrêter aujourd'hui. Et avant de traverser 2024, il faut que les problèmes de notre vie s'arrêtent aujourd'hui. Afin que le monde comprenne, il y a des miracles de la réconciliation. Et c'est là que c'est pour ça que je te dis ce soir, les paroles qui sont dans ta bouche, déclare ça. Oui, Kiri. Déclare ça. Oui, Kiri. N'ayez pas peur. Oui, tu la déclares. Le reste, Dieu le fera. Le reste ne te concerne pas. Le reste ne te concerne pas. Le centenaire a dit à Jésus,
Ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot. C'est que la vie et la mort est en toi. Il a dit, ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot. Lui, il avait compris avant Pierre qu'en Jésus, il y avait les paroles de la vie. Pierre l'a compris après, mais le Saint-Esprit l'a compris avant Pierre. Et dans le siècle où nous sommes, il faut avoir la vision des grandeurs, la vision de loin, voir déjà loin pour ta vie. La personne qui va changer sa famille, c'est toi. La personne qui va changer sa destinée, c'est toi. Si Dieu t'a choisi, trop longtemps, Israël a souffert parce qu'il n'y avait personne qui devait faire face au Pharaon. Mais un jour, Dieu a choisi un homme. On l'appelle cet homme Moïse. Il était ramassé quelque chose de vil, quelque chose de négligé, quelque chose qu'on a jeté dans l'eau. Dieu a récupéré dans l'eau pour le faire des libérateurs d'Israël. Toi aussi, Dieu t'a récupéré quelque part. Dieu t'a récupéré quelque part. Dieu t'a récupéré quelque part pour faire de toi le Dieu de ta famille, afin que tu t'opposes à tous ceux qui s'élèvent dans ta famille, afin que par toi, que ta famille comprenne que c'est toi qui vas les ramener vers Dieu. C'est toi qui vas les réconcilier vers Dieu. Par les miracles qu'ils verront sortir en toi, quand ils verront la délivrance que Dieu va opérer par toi, ta famille va comprendre, va dire réellement, le Dieu de papa Apollinaire, le Dieu de papa Jean, le papa fidèle, le Dieu des prophètes est un Dieu vivant. Je dois aller prier là-bas, parce que là-bas, il y a des choses qui se font, parce que là-bas, il y a des choses qui s'accomplissent. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde bien ta bouche. Regarde bien ta bouche. C'est un poisson. La bouche, c'est une bombe. Ne déclare pas seulement des mauvaises choses. Déclare aussi des bonnes choses. Et aujourd'hui, on va déclarer. On va déclarer aujourd'hui. On va changer des choses. On va changer des choses. Ce soir, on va changer des choses. Ce qui était rare, on va les changer. Oh, que Dieu soit loué. Parce que derrière moi, il y a quelqu'un qui me soutient. Derrière moi, il y a quelqu'un qui me soutient. Il ne laissera pas mes paroles tomber. Jamais laissera mes paroles tomber. Si je veux tomber, il y a papa Apo qui me soutient. Derrière moi, il y a papa Apo. Derrière papa Apo, il y a Jésus. Derrière Jésus, il y a le Dieu des cieux qui contrôle toutes choses. Ça dit, quand le diable voit ces choses, le diable est compas de lui-même. Là où je vais, il n'y a pas la victoire. Il n'y a que l'échec. Parce que je vais vous dire la vérité. Si papa peut notre papa, toutes ces victoires, c'est aussi nos victoires. Parce que les choses que nous avons vaincues, toi aussi tu dois les vaincre. Parce que c'est héréditaire. C'est héréditaire. C'est héréditaire. Abraham a été menteur. Abraham a été menteur. Abraham était menteur. Abraham a quoi? Isaac a emboîté le pas. Jacob a emboîté le pas. Si mon papa a vaincu la pauvreté, la pauvreté aussi ne résistera pas aussi devant moi. Parce que ce miracle, c'est mes miracles. Ces victoires, c'est mes victoires. Il partit de maison. Toi aussi, tu dois partir de maison. Pourquoi? Parce que les démons les connaissent. Quand ils voient ses enfants, ils vont dire, ça c'est les enfants de papa. Il passe. Rien ne te fera. Parce que les paroles créatrices est dans ta bouche, est dans ta bouche, est dans ta bouche, est dans ta bouche, est dans ta bouche. Pour alimenter cela, pour alimenter cela, pour augmenter cela, il faut lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci au niveau de 2 Pierre chapitre 1er, comme sa divine puissance nous donne. Nous donnons tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance desquelles nous
nous assure de sa part les plus grandes promesses. Les plus grandes promesses. Afin que par ces promesses, nous devenons participants de la nature divine. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu lis la Bible, tu deviens divin. Quand tu crains le péché, tu deviens divin. Quand tu lis la Bible, tu deviens divin. Et quand tu vas te présenter devant le problème, il va prendre fuite d'elle-même. Il va comprendre que ça, c'est Dieu qui est devant moi. Il va voir la victoire du calvaire. C'est que Christ a vaincu. Il a dit, moi je suis vainqueur. Mais je vous ai fait de plus que vainqueur. Là où Christ a arrêté, Paul a dit, là où Jésus a achevé, c'est là où moi je continue. Là où Paul a achevé, c'est là où moi je dois continuer. Parce que le travail continue. Ça, le travail continue. La succession de la grâce est toujours là. Parce que Dieu nous a fait retourner dans sa maison et nous a fait récupérer tous les droits qu'il faut. Et le diable ne peut rien contre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as bien compris? Et tu n'es rien là, je vais donner la parole. Que Dieu soit tout parti à nous. Enfin que le monde comprenne. Que c'est toi qui m'as envoyé. Je lui ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'il soit un. Comme moi et toi nous sommes un. Alléluia. Amen. Il y a un grand bonheur dans ces versets. Kuko, il y a un grand bonheur. L'échec n'est pas partie de tes vocabulaires. La pauvreté n'est pas pour toi. Ce n'est qu'un passager. La souffrance n'est qu'un passager. La misère, ce n'est qu'un passager. Le temps que tu es en train de vivre là, dis à ton voisin, ça va passer. Ça va passer, je t'ai dit que ça va passer. Ça ne va pas rester collé à moi. Parce que moi, je suis un divin. Est-ce que toi tu connais mon âge? Hey, Tu peux estimer. Mais tu connais pas mon âge. Je vais te dire mon âge aujourd'hui. Je suis plus vieux que les sorciers de ma famille. Parce que Jésus, Paul a dit, quand Christ était mort, j'étais mort avec lui. Enseveli avec lui. Ressuscité avec lui. Ma vie est cachée en Christ. Christ dans les lieux célestes. Maintenant donne-moi l'âge. Maintenant donne-moi l'âge. Je connais beaucoup de choses dans le monde. Quand il n'y avait pas encore l'électricité, j'étais là. On n'a pas encore commencé à faire les voitures, moi j'étais là. Quand on a commencé à donner les promesses, moi j'étais là. C'est pour ça que Christ a dit aux Juifs, votre père Abraham a tressailli de joie de voir mon jour. Il s'est réjoui. Il dit, mais toi tu n'as pas 50 ans, il a dit, mais avant que votre père Abraham soit, moi je suis. Ça c'est le miracle de la réconciliation. Dieu m'a ramené 2000 ans à la croix. Je me suis tendu avec lui. Maintenant donne-moi l'âge. Un sorcier de 50 ans peut blaguer avec moi. Non, je le laisse. Si je le laisse, je le laisse seulement ensorceler. J'aimerais te dire encore quelque chose. Si le monde existe, parce que toi et moi nous sommes là. La Bible dit que c'est le ministère de l'iniquité agit. Mais ce qui le retient, comme il est encore là, il ne peut jamais se manifester. Il va toujours commencer à opérer dans le noir. Les sorciers de ta famille, si il opère dans le noir, parce que toi tu es encore là. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant tu connais mon âge. Un jour j'ai rencontré ma grand-mère. Une vision de sa fille.
La vision date de 1958. Ma grand-mère me regardait comme ça. J'ai commencé à expliquer ma grand-mère la vision. Quand j'ai terminé, il m'a dit, toi tu n'étais pas là. Comment tu sais ces choses? J'ai dit, grand-mère, je t'appelle grand-mère par respect. En réalité, c'est toi qui dois m'appeler grand-père. Les choses que tu, je t'ai dit, toi tu penses que je n'étais pas là. J'étais déjà là. Quand Christ a fait le miracle de la réconciliation, il m'a gardé en réserve. Il a laissé le diable d'abord jouir dans ma famille, faire la fête, vous torturer, vous menacer. Quand l'heure est arrivée, je suis né d'une femme, né sous la loi. En fait de libérer ma famille. Les promesses là n'est pas que pour Jésus, c'est aussi pour toi. Lui il est héritier, moi je suis co-héritier. Parce qu'il a dit, ceci. Je leur ai donné les paroles que toi tu as dit. Est-ce que tu peux changer les choses aujourd'hui? Maintenant nous devons prier. Maintenant nous devons prier. Prie. Si les choses persistent dans votre famille, est-ce que tu peux prier aujourd'hui? Est-ce que tu peux prier? Tu peux changer les choses. Change les choses dans ta famille. Est-ce qu'on peut faire la prière qu'on avait fait hier? Donne-nous des années. Parce que la Bible dit si Dieu s'accorde, demande quelque chose à l'Éternel, Dieu va les accorder. Prie. Toi tu es son prophète, l'autre est ta prophétesse. Prie maintenant. Change les choses de la vie de ta frère, de ton frère. La Bible dit dans leur problème, dans leur souffrance, dans leur misère, dans leur difficulté, il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel envoya la parole. Et la parole est guérie. Cette parole-là est dans ta bouche. Déclare aujourd'hui pour ton frère. Dis malgré les sorciers qui vivent dans leur famille, lui il va réussir. Malgré les problèmes qui menacent leur vie, lui il va monter. À cause de l'alliance que tu as fait avec nous, l'alliance que tu as fait avec notre papa, à cause de ces alliances, fais des choses aujourd'hui. Au nom de Jésus, prions. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je déclare 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 au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer maintenant ce qui ne se faisait pas. Qu'est-ce que se fait dans ma vie? Au nom de Jésus de Nazareth, devenez mon interprète. Oh le Dieu Tout-Puissant, je déclare ce soir que ce qui ne se faisait pas, que cela se fait au nom de Jésus. Je prophétise dans la vie des modérateurs. Je prophétise dans la vie des interprètes. Les choses qui étaient rares. Les choses qui étaient rares. Que cela soit visible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kati dans la Yesu, le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob, je le déclare, je le déclare, je le déclare, parce que tu as mis en moi la parole puissante, tu as mis en moi la parole puissante, tu as mis en moi la parole puissante.